C'est comme une araignée qui se cramponne à un fil de sa toile et qui ne voit pas les doigts qui la saisissent pour la mettre dans ma bouche. J'ai peut-être bien trouvé. Il se cache même pas. C'est comme s'il me provoquait. En tout cas, s'il veut la guerre, il l'aura. Il faut seulement que je trouve comment aller là-bas. Fais pas chier. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Allô ? O'Neill, c'est moi. Je vois que l'émetteur de champ stable est réactivé. Bon, dites-moi que vous avez trouvé le noyau et que vous êtes en chemin. Non. Ce cinglé est là toujours. Mais je crois savoir où il est allé. Ouais, je le vois aussi. Je reçois à nouveau son signal. Il provient du théâtre à un autre endroit de la ville. Bon, je repars pour la moelle, je suppose. Je vais avoir besoin d'être guidé un peu. Ok, je regarde ça. Apparemment, certains passages ont été stabilisés par l'émetteur. La sortie des 5 semble la plus proche du théâtre. Je sais pas sur quoi vous risquez de tomber là-bas, alors faites attention. Au point où j'en suis, plus rien ne pourrait me surprendre. Effectivement, plus rien, absolument plus rien ne peut surprendre le grand. Le seul, l'unique, Sébastien Castellanos. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, bienvenue dans The Evil Within, épisode je ne sais plus combien et je m'en contrefous. Je ne sais plus jouer au jeu, pourquoi chers amis? Parce qu'entre temps, j'ai dû me taper Assassin's Creed Origins, j'ai dû me taper Nioh et j'ai dû me taper Shadow of War. Donc du coup, 4 gameplays différents, c'est comme avoir 4 enfants différents. Au final, tu ne te souviens du prénom que 2 d'entre eux, hein, les 2 plus importants. Les deux autres, on peut dire que c'est les enfants de leur maman. Voilà, comme ça, ça parle mal. Le meilleur père du monde, olé, hola, le docteur Sébastien Castellanos. Et le meilleur papa possible et imaginable. C'est pour ça que toutes les nuits, il fait des cauchemars à propos de sa fille qui est morte dans un incendie. Pam, 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 pam. Du coup, allons-y. Alors, on bourre et on cavale, et du coup, il faut que je rejoigne Shumagoras. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas la référence à Marvel, je vous invite à jouer à plus de Street Fighter. Et du coup, il faut absolument que j'aille sur cette île à la con, et du coup, point de résonance. Oh. Vraiment, il y a un point de résonance sur ce kiosque, Belvédère. C'est ça un Belvédère? Non, c'est peut-être pas ça un Belvédère. Je saurais jamais ce que c'est un Belvédère. Je sais que maintenant, ça n'est pas un réverbère, grâce à vous, braves gens. J'avance, mais je n'évolue pas très vite. Voyons voir. Encore une magnifique journée. Allô? Encore une magnifique journée. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où il faisait mauvais temps. Il fait toujours le temps parfait. Quel bonheur d'être né et d'avoir grandi à Union. Je suis jamais parti. Et je compte bien finir mes jours ici. Ah, vous sentez ça? L'odeur du printemps. Les plates-bandes qu'ils ont plantées sont vraiment belles. Vous ne trouvez pas? Ah, vous sentez ça? L'odeur de la virginité. Le poireau qu'ils ont planté là est vraiment beau, vous ne trouvez pas? Du coup, braves gens, c'est Pleasantville ici. Est-ce que je suis le seul à avoir regardé ce film complètement pourri, Pleasantville? Peut-être. Bon, c'est globalement l'histoire de gens qui vont dans un espèce de sitcom années 60 en noir et blanc, qui est littéralement un univers absolument parfait, et ils font tout pour détruire ce qui fait de Pleasantville un endroit cool et intégralement sympathique, pour le rendre finalement comme un trou paumé et perdu dans lequel nous sommes tous malheureux et pour lesquels nous regardons ce genre d'émission en premier lieu. Mais écoutez, que voulez-vous? C'est censé être bien alors. Je parle mal. Mais regardez le film et dites-moi ce que vous en pensez. Putain, effectivement, ça penche. Hein. Ça penche dru. Donc là, il y a 3 bâtiments en bas. Là, il y a une espèce de truc à magasin. Ah, l'endroit est vraiment parti en sucette. Hein. Ça fait vraiment beaucoup penser à Chasseurs de Dragons. Bon, sans les cathédrales de gothiques, mais du coup, voilà quoi. Hop là. Quelqu'un qui dit Bob, est-ce que c'est comme Lazy Town? Non, Lazy Town, c'est autre chose. Lazy Town, c'est une dictature maintenue par un fanat de sport qui est maintenue sur des enfants influençables et dont le seul citoyen qui a encore à peu près sa raison veut juste passer des journées peinards à rien foutre. Et n'a rien demandé à personne. Voilà ce que c'est, les Italiens. Pour ceux qui ne comprennent pas les références, je vous invite à regarder les autres épisodes de Sébastien Castellanos qui enfonce les portes. Mais doucement, Sébastien, doucement. Le taux de pénétration est total. Je peux descendre plus vite? Oui, voilà, très bien. Ok. Le miroir. Le miroir et le PC. Il faut que je prenne le PC pour pouvoir reprendre le passage dans les coulisses de Union. Je me demande s'il n'y a pas une petite surprise chez moi. Voyons voir.
Chaton? Chaton, t'as pas du sirop à la menthe pour moi? Une diapositive, rien? Non? Non, t'es juste un chaton, hein? Eh oui, t'es juste un chaton mignon. Oh, c'est un bon chaton, ça. Bon. Très bien, c'est un très mauvais chaton. Mais je lui dis pas ça, je veux pas blesser ses sentiments. Du coup... on progresse. Allons-y. Pénétrons dans la moelle. Olé. Oula. Et donc ça, j'ai compris que c'est un temps de chargement. Bob, c'était pas dur, c'est écrit chargement ou à droite. Oui, mais je trouve ça sympa de faire un petit temps de chargement interactif comme ça ou autre. Yeah. Par contre, ce petit fondu au blanc, ça me rappelle un peu Assassin's Creed 3. Et je vous avoue, pour les temps de chargement, c'était pas top non plus. Allons-y. Très bien. Accès, exit, B2. Moi aussi, to be, elle m'excite, brave Jean. Du coup, opérateur Mobius décédé, planque, point de sauvegarde, terrain de chasse, traverser la sortie, traverser la moelle et chercher la sortie D5. D5, très bien. Eh bien, écoute, allons-y. Nani. Munitions pour pistolet, très bien. Avant d'avancer plus loin et d'être incapable de jouer avec son gameplay, vérifions le fonctionnement de nos armes. Olé, hola. Très bien. Très bien. Et 5 bouteilles. Seulement 2 balles de fusil à pompe. Police. Eh bien, je sais pas ce que j'ai foutu avec, mais j'ai fait n'importe quoi, c'est sûr. Ce doit être le passage dont parlait O'Neill. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et ça, ça mène dans les canalisations sur la gauche. Très bien. Tunnel d'accès ouest. Lily. Oh, cet endroit me rend dingue. Je suis pas rassuré. Oh putain. Allez, l'encéphalogramme de la grenouille. La grenouille. Cake. Non, j'ai raté cake. C'est pas mal. Oh là, bien, 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 on est bien, on est bien. Où je le tiens. Ouh. Parfait. Parfait, parfait, brave Jean, nous sommes dedans. Y'a personne d'autre ici, pas de statue blanche, rien. Quoique... Non. J'en aurais planqué une là, moi, perso. Voire derrière, tu vois, histoire d'être vicieux. Non, d'accord. Pas de statue blanche. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh oh. Très bien, une caisse d'objets de secours. Heureusement que ces pièces mécaniques de dessous de voiture me seront utiles. Et bien évidemment pour survivre. Dans un endroit hostile, le sirop à la menthe. J'aime la logique de jeu vidéo. Allons-y. Oui. Continuons de progresser sans peur, sans gloire et sans honte et... Et merde. J'entends des bruits assez chelous par là-bas. Et ici, ça n'est absolument pas rassurant. Là-bas, ça l'est encore moins, mais il y a du stuff, donc allons-y. Oui, des pièces détachées de dessous de voiture. Avec 530 pièces, je peux faire un cosplay de Gundam. Ou de poubelle. Flouri! Un peu de créatine, bien sûr. Comment voulez-vous que Sébastien Castellanos maintienne tous ses muscles? Ah ah! Oh oh! Oh shit! Debout, 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 debout! Oh, une pochette à munitions améliorée, qualitatif! Bonjour! Oh, mais... Putain! Oh là! Olé! Hourra! Le tout, c'est de pas paniquer. Le tout, c'était de pas paniquer. N'empêche, c'est de ma faute. J'aurais dû mieux examiner la pièce en y rentrant, plutôt que de faire aveuglément confiance aux éditeurs. Favoris. C'est pas grave. Le docteur Sebastian Castellanos communique avec ses armes. Il chuchote à son Glock. Il fait sentir chaque cartouche qu'il insère dans son fusil à pompe. «
Ce zombie soupçonne quelque chose. Il approche. Ce zombie ne soupçonne pas que Sebastian Castellanos est un ninja. Un ninja tout à fait capable. Attention. Attention, 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 attention. Sebastian Castellanos, qui était docteur spécialiste des avortements. Et en voilà un! Un beau bébé pour madame! Et un burrito pour la table 7. Impeccable! Tout au couteau, Tatiana, tout au couteau. Donc ça en fait un. Et le deuxième qui est là-bas, qui est un peu chelou, il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu. Est-ce que je devrais... Oh shit. Olé, olé. Je sais, chers amis, que je devrais bourrer, y aller au couteau ou au flingue. Mais quelque part, c'est tellement satisfaisant de le voir se mettre en PLS, pourrir ! Pourrir ! Et voilà ! Une vasectomie pour madame. Et un avortement pour monsieur. Ne cherchez pas à comprendre, je suis docteur. Allons-y. Apparemment, brave Jean, et Dieu merci, il y a le chat pour m'aider, vous auriez ragé dans les commentaires si je ne l'avais pas vu, parce que je ne l'ai pas vu. Il y a une statue. Oh là là, la belle statue. Ave Maria. Voilà, c'est plus Ave Tatiana. Mais c'est cool. C'est cool, ça nous fait une clé supplémentaire. Oui, j'ai un assist. Hein. Me faites pas chier. Mon assiste, c'est les voix dans ma tête. Elles me parlent, elles me disent où sont les statues. Mais elles me parlent principalement de statues Facebook. Et je ne sais pas de quoi ça raconte. Attends, attends, c'est quoi ça? Oh, mais il a l'air complètement pété, ce... Mais pourquoi ils ont besoin d'une telle installation électrique? On n'est pas dans une simulation fictive? Est-ce que cette installation électrique est une simulation fictive d'une interface que t'as quand t'es dans une simulation mentale? Pourquoi on a besoin de tangibilité ou de vieux appareils qui datent de 1971 alors qu'on pourrait avoir une interface neuronale holographique? Parce qu'on est dans la matrice. Dans la matrice, tu peux avoir ce que tu veux, si. À moins que les règles du serveur sur lequel on se trouve n'autorisent pas les trucs futuristes et chelous et du coup te forcent à utiliser une simulation proto-projetée d'un circuit électrique classique, en fait. Parce qu'il n'autorise pas la science-fiction, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est complètement con, parce que là, on est dans les coulisses. Donc dans les coulisses, active les pouvoirs de dev, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est pour te faire croire que c'est réel, Bob. Oui, mais c'est complètement con, on est dans les coulisses. Il y a que les employés qui savent que c'est pas réel. C'est complètement con. D'ailleurs, ça s'ouvre pas, ça. Ça, en tout cas, c'est un super lieu à embuscade. Je suis impatient de me faire agresser dans ces escaliers. D'ailleurs, il est très 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 courant de rencontrer des embuscades dans les escaliers. Bah pourquoi, Sébastien? Parce que... ça marche. Tu... Miguel, tu ne fais pas la guitare? Non, j'ai pas envie aujourd'hui. Bon bah je la fais moi-même. Installation de la moelle. Ah, je sais que ça peut sonner déplacé, mais rappelez-moi de donner un cours d'éducation sexuelle. Qu'est-ce que c'est que tout ça? À Lily, parce qu'elle se fait des idées sur, disons, les fonctions corporelles des hommes, qui sont, exagéré. Iu.
Ori, Ora. En tout cas, tout ceci est proprement répugnant. Berk, 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 berk. Police! Police, je viens après un dépôt de plainte de la part de la banque du sperme. Ils aimeraient que vous leur rendiez... que vous leur rendiez... les contenus des coffres B6 et B52, respectivement. Hop là! Ah. Sympathique. Ils faisaient une LAN ici, regardez tous les écrans de cathodiques qu'ils ont. J'aime bien quand ils gardent des écrans cathodiques complètement pourris et pas des écrans plats, quoi. Ils sont là, oui, mais il faut pas faire de la science-fiction, il faut garder ça réaliste, le futur, tout ça. Oui, mais ça reste de la merde, j'en fous. Arrêtez, écoute-toi un peu, Mira. Une société secrète qui enlève Lily et met en scène sa mort. Tu réalises à quel point c'est dingue. Mais c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ça? Mira, je sais que c'est difficile à accepter, mais... elle est partie. Notre petite fille est partie. Mais j'ai des preuves. Regarde. Mira, ça t'obsède. Tu as besoin de repos. Une fois que tu seras passé à autre chose, tu apprendras. Non. Je n'accepterai jamais ça. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Mira, tu avais raison sur toute la ligne. Mais... oh, relique d'une époque où on prenait des photos était un appareil. Pourquoi est-ce que je vois ça maintenant? Je... surtout, pourquoi tu vois ça dans une salle qui est emplie littéralement de spoutres, hein? Genre, ça dégouline des murs et tout, hein? Je veux pas faire d'amalgame, mais... enfin, les amalgames sont là, mais vous voyez ce que je veux dire. Personnellement, j'avoue que tout ceci me plonge dans un questionnement. Je vais être sincère, je trouve ça malsain. Je préférais chez Ruvik, parce qu'au moins Beacon, bon, c'était de la chair qui dépassait des murs, des intestins, des yeux, parfois des dents ou des morceaux de bâtiment, mais au moins, tu vois, on avait la certitude quant à ses intentions. Enfin. Courir. À gauche, ça ne mène nulle part. D'accord, c'est de là où je viens, mais ça ne mène nulle part. Et derrière nous... ah oui, c'est vrai qu'il y a le retournement rapide. Faut que j'y pense. Ma, qu'est-ce que c'était ça? J'aime pas ça. Ça sent la bite, sans mauvais jeu de mots. Non. Ça sent la bite, garçon. Bon, on va pas paniquer. You. Yeah. Ah. Holy fuck! Faufiler derrière. C'est le plus grand spermatozoïde que j'ai jamais eu l'honneur de rencontrer. Le mec a dû se retenir pendant au moins 57 ans. Madre de Dios. Madre de Dios. C'est l'heure de paniquer. On se faufile! Panique! Non! Argue! Raté! Raté! Il faut que j'atteigne un endroit où il n'y a plus le spoutre! Ah, chier! Argue! Ok, attendons qu'il m'ait perdu de vue.
Oh là, la panique est totale, putain. Madre de Dios, je savais que j'aurais dû imaginer d'avoir un FAP à l'un sur moi. Oh là 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 là. J'ai bien peur que ce soit insuffisant. Je pense que le seul moyen de s'en sortir serait d'avoir un partenariat avec Swiffer. Ou avec Playboy, hein. Oh là 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 là. Bon. Faut que je me tire d'ici, putain. Ouais, mais sans paniquer. Sans paniquer. Mais c'est répugnant. Je suis désolé, j'arrive même pas à commenter là-dessus. Il y a juste du sperme partout, c'est dégueulasse. S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, que quelqu'un donne du tissu à cet homme. C'est quoi, je préférais presque me balader dans les égouts. Au moins dans le tout à l'égout, c'est un peu dilué. Hein. Le problème, c'est que je peux même pas nettoyer ça à l'eau. Ça va faire des grumeaux, c'est dégueulasse. Bon. En tous les cas, on a l'air de s'en être sorti. Je me demande, est-ce que c'est un monstre qui est tuable? Parce que, quelque part, se battre contre un spermatozoïde géant, c'est la moitié d'un avortement. La spécialité de Sebastian Castellanos. Enfin. Ah, ah, madre de Dios! Oh, merde! Très bien, puisque vous insistez! Monsieur, madame, un spermatozoïde peut être les deux! Il ne tient qu'à toi de choisir ta vie! Oula! Pas d'ovule pour toi. Phew! Cet endroit était pas censé être stable, bordel. Putain! C'est stable à mort, hein! D'ailleurs, oui, très bonne remarque. J'avais complètement oublié que c'était censé être stable au passage, hein. C'est la stabilité selon Bob sur Tricky Tower. Hein. Je suis là, c'est stable. En fait, c'est stable que pouic, les enfants. Par contre, je suis perdu. Voyons voir. Donc là, ça mène à rien, là, ça mène à rien, là, ça mène à rien, et ça, c'est fermé. C'est fermé. Quelqu'un semble bien profiter du spectacle. Ah. Salut, comment il s'appelait l'artiste? C'est pas Jérémy, c'est Stefano. Je crois qu'il s'appelait Stefano. Si le mec son kiff c'est de regarder. Voyons voir. Des casiers. J'espère qu'on peut trouver des choses dans ces casiers. On ne peut rien trouver dans ces casiers. Bien sûr, fouiller les casiers pour trouver des armes ou de l'équipement. J'ai. Impeccable. Police! Il y a besoin de tous les matériels, mais ce coup-ci, je ne me ferai pas avoir. Personne. Personne. Bon, prenons la bœuf. Prenons les pièces. Prenons les munitions de fusil à pompe. 3 cartouches, ça paye. Le papier. Protocole d'urgence en cas de déplacement du noyau, donc en cas de déplacement de la gamine. Il est impératif qu'un noyau manquant soit remplacé aussi vite que possible. L'absence d'un noyau, même sur quelques heures, peut affecter la programmation du STEM. Eh ben putain, il est mal programmé ton truc. Si le noyau est absent plus de 36 heures, un protocole d'urgence doit être mis en place pour empêcher sa disparition. Le protocole d'urgence n'est accessible qu'aux opérateurs de vos bus dotés d'un pass de sécurité alpha et ne peut être consulté que sur les serveurs de la moelle. D'accord, tout s'explique. Donc ils ont un protocole et il a lamentablement foiré à cause de Rodrigo. Stefano, Bob, je vais l'appeler Rodrigo. Y'a rien d'autre, très bien. Ah oui! Quand même, je me pose une question. Est-ce qu'on peut... Police! Ok. Peut-être du matos, des choses qui brillent. Oh, stylé! Figurine à tête branlante, mystérieuse. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant, mais n'arrive pas à savoir où ni quand. En tous les cas, ça a l'air plutôt chouette. Oh, la tête de Fallout, le Vault Boy. C'est à ces moments-là que j'aurais besoin d'un Fatman et... C'est... Tout
t'as disparu. J'ai pas rêvé, hein. Comment ça, tout a disparu? Wait, Nani? Attends, ah mais je... Ah d'accord, 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 attendez, je suis où là? Ah putain, j'ai fait demi-tour. Mais je suis trop con. Mais le Lennon est trop con, brave Jean. Le Lennon a fait demi-tour. Bon bah c'est grave, c'est un événement heureux. On va pas se paniquer. Le Lennon est incapable de se repérer. Le Lennon, c'est Zoro dans One Piece. Mais ça peut aussi être Antonio Banderas. Juste pour vous, mesdames. Et effectivement, pas de spermato surdimensionné. Je vais l'appeler Spermato, je trouve ça un nom adorable. Bon. Tant pis, on nage en plein bonheur. Il y a eu un petit coup de Kleenex, j'avoue. C'est très très impressionnant. Du coup, on fait un grand demi-tour pour plus de plaisir et... Au passage, l'open world y est bien foutu ou bien? Je sais même pas pourquoi j'ai posé la question. Ok, allons-y. Du coup, donc là, oui, c'est ça. Et là, il s'est retourné en faisant, en tout cas, il y a un connard qui s'amuse. Là, ça ne mène à rien. Donc la seule possibilité, c'est de partir par là-bas. Très bien. On arrive ici avec une porte, je ne sais pas où elle mène. Et là, j'ai ouvert un porte à décodage. Cette porte ouverte à décodage, j'avais du stuff derrière. Et là... C'est une safe zone, très bien. Olé. Oh là. Qu'est pas ça? Plaît-il? Quelqu'un m'observait. Lily? Des preuves? La personne qui était là a amassé des informations à son sujet. Ne bougez plus. Vous êtes de Mobius, non? Fermez-la! Pas un mot. Vous n'êtes pas l'un des nôtres. Non, je ne le suis pas. Kidman m'envoie. C'est un hold-up! Écoutez, je suis là pour aider, d'accord? Je m'appelle Sebastian Castellanos. Vous mentez! Sebastian Castellanos est mort. Quoi? Mais non. Qui vous a dit ça? Ou alors on m'a pas mis au courant, je continue à payer des impôts, moi. Allez, tournez-vous. Doucement. C'est assez doucement pour vous. Vous êtes Yukiko Hoffman. Comment vous connaissez mon nom? Je vous l'ai dit, j'ai été envoyé ici pour trouver ma fille Lily. Le noyau. Je vous dis la vérité. Je sais. Ah! Vraiment? Pas de micro-expression ni de déflexion. Pas de mise en valeur verbale. J'en ai assez vu pour savoir que vous dites la vérité. Oula! Oula! On a fait des études de psychologue! Ouais. La psychologue de l'équipe. Je dois utiliser les outils à ma disposition pour survivre. Ça a redoublé 5 fois la première année de psychologie. Et ça se prend pour un toubib, enfin bon. Le combat n'est pas mon point fort. Ça n'a pas l'air d'être le point fort de grand monde par ici. Désolé de vous avoir menacé. Ça va, t'es plus efficace que l'autre. Il avait même pas enlevé la sécurité. Ils envoient des personnes extérieures à présent. Ça signifie que ça s'arrange pas. Vous avez trouvé d'autres membres de l'équipe? Oui, mais seul O'Neill était encore en vie. Liam est vivant? Bon. Il a fait des progrès sur la stabilisation? Le gros émetteur est réactivé, mais cet endroit continue de tomber en ruine. Et je pense que c'est à cause de ce psychopathe qui a kidnappé Lily. Il erre librement dans Union, manipulant l'environnement à son gré. Ça signifie que ma théorie était correcte. C'est bien plus qu'une déconnexion du noyau. En tant que docteur, je n'utilise pas le terme de psychopathe à la légère. Mais ici, c'est approprié. Seul un cas clinique de psychopathie peut affecter le stem de cette manière. Une personnalité de type psychopathe utilisant Lily pour amplifier ses pouvoirs. La situation ne pourrait pas être pire. Vous êtes psy? Vous devez avoir une idée de la façon de le battre. Les psychopathes sont antisociaux. Ils manquent d'empathie et montrent des tendances sadiques. Mais leur principal point commun est leur égocentrisme pathologique.
Ils ne s'intéressent pas aux autres, seulement à eux-mêmes. Vous savez si quelque chose semble important à ses yeux? Ouais. Il pense être une sorte d'artiste. Il passe son temps à parler de ça. Alors, la meilleure façon de l'attaquer réside dans son art. Détruire quelque chose auquel il tient pourrait lui faire perdre pied. Je garderai ça en tête. Mais il faut d'abord que je l'atteigne. Il s'est planqué dans le théâtre. Bien. La sortie des cinq, alors. Elle est juste là, dans la pièce à côté. Synchronisons nos communicateurs pour pouvoir rester en contact. Je vais reprendre mes dossiers pour voir si je peux dénicher plus d'informations sur la situation. J'ai l'impression qu'il y a plus que ça. Dans tous les cas, il va certainement être difficile à battre. Prenez tout ce dont vous pourriez avoir besoin ici. Très bien. Tu voudrais peut-être garder ta connexion avec O'Neill? Peut-être, je sais pas moi, l'appeler, avoir son numéro, lui dire que tout va bien? C'est quand même un membre de ton équipe, je sais, c'est un connard. Et toi, t'es Sadako, mais quand même. Un minimum de respect, j'ai envie de dire. Déjà d'une. Et de deux, oui, on a travaillé sur la stabilité du lieu. Mais stabilité, je dirais ça avec un petit bémol, hein. Soit mes séances de masturbation me rattrapent et j'influence le STEM de manière inconditionnelle et sensuelle, soit il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec le psychopathe. Et au passage, je suis censé être mort. Comment ça, je suis censé être mort? C'est des conneries, ça aussi, madame. Lily me croit vraiment mort. Ou est-ce que c'était simplement pour voir si je mentais? Désolé, mais oui, elle croit que vous êtes mort. Et moi aussi, je le pensais. Jusqu'à maintenant. Mais avec le temps, j'ai appris à mettre en doute les informations relayées par Mobius. C'était pas difficile de voir que vous disiez la vérité. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour quel genre de monstre travaillez-vous? Je sais que c'est pas juste. Mais pensez à ça. Lily est sûrement moins traumatisée de vous croire mort que de vous savoir vivant mais loin d'elle. Ouais. Peut-être. Mais que se passera-t-il quand je la retrouverai? Une scène au ralenti. Vous inquiétez pas. Elle croira ce que lui montrent ses yeux quand elle vous verra. Bon, très bien. Moi j'aime bien le fait que c'est censé être la toubib du groupe, mais hein, elle est pas toubib, elle est psychologue, et de deux, elle a quand même un stéthoscope. Est-ce qu'on peut être toubib et psychologue en même temps? À mon avis, c'est possible. Le truc, c'est que ça demande quand même deux branches d'études qui, à mon humble avis, sont relativement différentes. Ce serait comme être et plombier et électricien, tu vois ce que je veux dire? Ça bosse dans les murs, ça fait le même boulot, tu vois, enfin, ça fait le même boulot au même endroit. C'est juste que les skills me paraissent... Ça doit être possible. Ça se trouve, elle a plein de talents, cette petite... En même temps, elle est asiatique, donc forcément, elle est bourrée de talents. Si Mobius sait comment garder les psychopathes en dehors du STEM, comment l'un d'eux a pu finir ici? J'en sais rien. Chaque individu placé dans le STEM a été soumis au préalable à toute une série d'examens psychologiques. Et nous les avons tous observés d'ici, en secret, pour surveiller les comportements instables. Ouais, et ben ça n'a pas l'air d'avoir marché. Malheureusement, la psychopathie et la sociopathie sont très difficiles à diagnostiquer. Les psychopathes sont souvent très intelligents et rusés. Conscients de leurs conditions, ils sont capables de se fondre parmi nous. Le fait que celui-ci ait pu se jouer de nous, il est habile et lucide. C'est très troublant. Super. Donc les examens n'ont fait que filtrer les psychopathes les moins dangereux. Je me sens affreusement responsable de tout ça. J'ai aidé à mettre en place ces tests. Ça va bien jouer. Super, bravo, félicitations. Et on pourrait pas faire comme dans Mega Man X, c'est-à-dire les garder pendant genre 6 mois dans un environnement STEM individuel, ou durant quelques semaines, ou peut-être quelques jours, pour voir comment ça marche sous différents stress, puis après tu leur effaces la mémoire, et tu les mets dans Union, parce que apparemment la gonzesse disait qu'elle se souvenait plus de rien. Donc ça veut dire que la mémoire a dû être effacée, et que du coup elle a dû se retrouver dans le STEM avec une nouvelle personnalité, une nouvelle personne et un nouveau concept, vous voyez ce que je veux dire? Donc pourquoi ne pas tester les personnages individuellement? Après tu me dis, oui mais le psychopathe il est assez intelligent pour faire face ou quoi que ce soit. Ah, quand tu mets ça sous une situation de stress fictive, t'as peut-être moyen de tester ou quoi que ce soit. En même temps, quelle idée à la con le STEM! Enfin bon, je vais pas m'étaler. Olé. Oh là. Vous avez dit que vous pensiez qu'il y avait plus que ça. J'ai étudié de près l'incident à Beacon, afin d'éviter d'autres désastres de ce genre. Dans ce cas-là, la personne en question était le noyau. Mais malgré ça, l'environnement était resté relativement intact. Ici, quelque chose semble vraiment cloché. Que voulez-vous dire? Les créatures. La destruction d'Union. Les spermatozoïdes. La perte totale des communications avec Mobius. Ça me semble beaucoup pour une seule personne. Même avec la puissance du noyau. Il a parlé de quelqu'un. Quelqu'un qui voulait la puissance du noyau, lui aussi. Ça pourrait être... Non. C'est trop horrible, rien que d'y penser. Quoi? Il y a une seule chose qui pourrait être plus puissante qu'un psychopathe ici. Mais je dois mener quelques recherches avant de vous soumettre ma théorie. Oh,
El Diabolo Spermato, le spermatozoïde du diable. Le seul truc qui serait plus puissant que le psychopathe artiste qui se promène dans Union avec ma gamine. Super. Bon. Eh ben écoute, la psychologue de l'équipe, eh ben ça m'a l'air d'être une sacrée waifu. Par contre, c'est pas malin de sa part de porter cette espèce d'armure complètement inefficace. Et surtout le stéthoscope, quoi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les plombiers ne sont pas obligés de constamment se trimballer avec des clermolettes. Oh là là là, le pot de grenadine. Oh, le pot de gelée à la confiote. Je le prends. C'est Tatiana qui sera contente. Plein de seringues. J'ai pris des dégâts. Oui, mais il y a une machine à café, donc on va s'abstenir. Voyons, voyons, fouillons, 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 fouillons. La machine à café. Le kawa de l'amour. Le kawa du désir. Pam, 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 pam. Au goût profond de olé, à la saveur exquise du hola. Du coup, ça met nous ça. De là où je viens. Demi-tour. Je vais y faire ma clé derrière lui, mais il n'ouvre pas en fait quand il entre. Fais jamais gaffe, mais. Ah ah! Le miroir de Tatiana, il attendra quelques secondes. Candidat pour le noyau, opérateur Grisam. Lily Castellanos, premier résultat. Le candidat idéal pour le noyau doit posséder un ego fort et sans entrave afin de conserver sa personnalité tout en supportant les esprits interconnectés d'autres personnes. D'accord. Étant donné ces paramètres, il n'existe que deux types de candidats, les égotistes, aux tendances psychopathes, et les enfants. Donc soit les mecs qui sont tellement égotistes qu'ils se contrefoutent des autres et les autres peuvent continuer à exister dans sa psyché, et les enfants, parce qu'eux ils sont... Je vais pas dire incapable d'empathie, mais vu que c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps ou avec les instincts qui se développent ou quoi que ce soit, un enfant ça pense qu'à sa gueule d'abord, ce qui est tout à fait normal en premier lieu. C'est une question de survie, donc ça fait sens. Nous savons ce qu'il s'est passé la dernière fois qu'un égotiste psychopathe s'est retrouvé dans le STEM. Un enfant est donc notre meilleure chance. Ouais. Ouais, sauf si vous tombez sur un enfant psychopathe, vous êtes baisés les enfants. Puisque nous avons accès aux résultats scolaires de divers établissements, nous avons pu déduire nos options potentielles. Pensons avoir trouvé le candidat idéal pour le noyau en la personne de Lily Castellanos. Ces examens montrent qu'elle est non seulement candide, mais qu'elle fait surtout preuve d'une empathie surprenante pour son âge. Nous allons l'envoyer au Dr Hoffman pour d'autres tests. Mais c'est pas exactement... C'est pas exactement... L'opposé de ce que... Bon. Cherche pas la logique, Bob. Cherche pas la logique. Ok, ok, ok. Et ça, c'est la sortie D5, c'est donc par là que je dois partir. Elle est sur le PC qui donne pas d'infos, et tu donnes plus d'infos, toi, Choupette? Hein? Comment tu t'es fait ça sur le bras? Au fait... Non, rien d'autre, d'accord. Alors, si tu veux, j'ai une petite injection de sirop à la menthe, qualitative! Du coup, allons voir Tatiana. Alors... Chaton, t'as pas chié sous le bureau? Non, tu es sage. T'es un gentil poupée. Moi, c'est un poupée adorable, ça. Bah oui, bah oui. Bon. Voyons voir la nouvelle diapositive. Allez, continue. Barre-toi, barre-toi. Voilà. Hé, hey, Kidman. Je suis là. La première fois que j'ai vu Mira, elle portait cet uniforme. Je crois que c'est là que je suis tombé amoureux d'elle. Je voulais pas l'admettre, mais après sa blessure en mission, je savais qu'il fallait que je lui avoue mes sentiments. Elle était une femme et une mère si extraordinaires que j'oublie parfois à quel point c'était aussi une bonne inspectrice. Elle avait raison. Elle sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos de la mort de Lily. Je veux dire, de son kidnapping. J'aurais dû la croire dès le début. Vous n'aviez aucun moyen de deviner la vérité. Vous le savez. La vérité, c'est que quand elle a reçu sa blessure à la fesse gauche, tout est devenu soudainement beaucoup plus difficile. Le drama, tu sais. Bon. En tout cas, Kidman, elle est là en assiste pour me parler de la psychologie de mon couple. Mais dès qu'il s'agit de me donner de l'assistance, de me dire par où je devrais me diriger, de m'envoyer des fusils à pompe et des lance-roquettes thermodynamiques du futur à travers la connexion mentale, ah bah là, y a plus personne. Ah bah bien sûr. Le Sébastien, il va se faire foutre. Évidemment. Évidemment. Je devrais aller voir Tatiana, n'est-ce pas? Je devrais aller voir Tatiana. Mes excuses. Je peux même faire des munitions, tiens, regarde.
Qu'est-ce qu'il y a de dispo? Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger ce soir? Des balles! Le plat préféré de mes adversaires! Oh. Une cartouche! Oh. Du fusil à pompe! Oh. Voilà, très bien. Un carreau explose, boum boum! Je le prends. Et sinon, je suis full. Très bien. Pac, 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 pac! Allez, c'est l'heure de me faire trépaner! Hora! Oré! Oh! Je vois que vous avez encore besoin de mes services. Ah oui. Et ne me lasserai jamais de tes services, Tatiana. Je serai prêt à tout payer. Ma maison, ma famille, mon travail, mon corps. Tout ceci pour... Ouah, elle a des sandales dégueulasses. Oh, le tue-l'amour. Oh là 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 là, c'est même pas les escarpins d'infirmière, quoi. Non, mais non, porter collant avec des sandales. Non, mais non, c'est comme porter des chaussettes avec des tongs, quoi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, la faute de goût. Oh, j'ai le cœur brisé, Tatiana. Alors. On me dit, c'est des crocs, Bob. C'est dégueulasse. Ouvrage. Oh, 40 poudres. C'est pas mal. Au pif. Et c'est de la merde. Tant pis. On aura essayé, on aura perdu. Moi, je cherche le sirop à la menthe. Hein. Oui, il n'y a aucun mal à être trop prudent, mais vous ne pouvez pas éviter la confrontation pour toujours. Vous devriez peut-être opter pour plus de compétences de combat. Mais non. J'ai pas besoin de stabilité de réticule. J'ai pas besoin de recul. Moi, le recul et l'avancée, de faire aller arrière, avant et arrière, avant et arrière. Le recul, ça me connaît. Le réticule aussi. Nuée de balles. Non, ça c'est pas top. L'espèce de kick. Non, merci. Furtivité, ce serait pas mal. De faire prédateur pour une attaque furtive, c'est quand même très utile. Profil bas, il vous cherche moins rapidement. Et puis, il y a davantage de santé avec les objets de guérison. Olé! Oh là! Oh là 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 là! Upgrade max de vie, max de endurance. Et voilà! Ma barre de vie s'appelle bas! Et ma barre d'endurance s'appelle bien. Le Presidente del Bay vient. Impeccable. Hou. Demi-tour. Du coup, plutôt que se taper des smoothies café banane, on va sauvegarder. Voilà, pas mal. Oui, je vais écraser la sauvegarde, oui. Je vais aussi écraser Tatiana sous mon poids, mais ça c'est... Des fantasmes! Quoique le port de ces espèces de tongs dégueulasses me refroidit sérieusement. Enfin! Toujours un fan des escarpins ou des bottes de cuir. Et donc, ça, c'est le passage qui me permet donc de rentrer du bon côté du Nyon. D'abord, prenons les morceaux de voiture et le sac de farine. Impeccable. Rien derrière ça. Il n'y a rien. Allons-y. Voilà. On me dit... Bob, il y a une porte. Une porte que t'as pas fouillée. Pas grave. On aura toute l'occasion d'y revenir. Olé. Oh là. Mot de passe. P. Et... Niche. Voilà. Péniche, bien sûr. Oh là 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 là. Voyons voir. Ouais, sauf que je pourrais pas les... Je ne pourrais pas les stocker. Pièce détachée supérieure pour améliorer son pistolet. Encore une machine à café. De la créatine. J'ai l'impression qu'il m'équipe là quand même. Et un autre miroir, mais décidément... Tout ceci ne m'inspire guère confiance. Pam, 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 pam. Double sauvegarde. Impeccable. Et nous y sommes. Point de résonance enregistré. Faut juste que j'arrive à rentrer dans la réserve à côté de la planque. Merde.
Jones qui a la clé. Merde. Je sens plus maintenant. Ce truc m'a pratiquement arraché le bras. J'arriverai pas à le buter avec ce pistolet à billes. Il me faut du lourd. Il faut juste que j'arrive à rentrer dans la réserve à côté de la planque. Merde, c'est Stevens qui a la clé. Elle va revenir avec la clé et le blindé. Je dois juste tenir jusque-là. J'en peux plus. Je vais juste me reposer 2 secondes. Et attendre Stevens. J'espère que Stevens, c'est le nom de famille de la gonzesse qui a le véhicule blindé et la clé, hein. Parce que si la gonzesse, elle s'appelle Steve, c'est délicieusement excitant. Allez ! D'accord, ça mène dehors. Donc restons à l'intérieur, y'a rien à fouiller, je peux pas fouiller son cadavre ? Non, y'a rien. Très bien, y'a rien. Allons-y ! Bon, le théâtre. J'arrive. Effectivement, tout ceci m'a l'air délicieusement problématique. Par contre, j'entends des zombies, des bruissons, et je suis invincible. Aucun ennemi ne pourra jamais tenir une seule seconde, tenir la moindre chandelle, face au grand, au seul, à l'unique. Sébastien Castellanos! Meurtre! 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 Ah, Oli! Oli! Oula! Oli! Oli, oula! Ah! Arrière! Ah, je me fais massacrer! J'ai raté mon coup! Il bombe à prout! Ah! J'ai plus d'endus! La situation est désespérée! Sébastien Castellanos va-t-il s'en sortir? Vous le saurez probablement dans un prochain épisode de The Devil Within!